C'est comme du beurre. Tataki. Tataki, tata quoi? On va préparer un tataki de thon rouge, un beau steak qu'on a mariné, qu'on va paner dans des graines de sésame et qu'on va servir avec une salade de concombre. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà fait ici? J'ai simplement laissé mariner dans sauce soja une petite heure. On va le sécher et mettre une toute fine couche de blanc d'œuf pour que les graines de sésame collent bien. Vous voyez, ça brille déjà. On met poivre et sel des deux côtés. Sésame blanc et noir. Ça peut être aussi seulement noir ou seulement blanc. Alors, vous pourriez le couper en deux, vous avez plus des petits blocs. Et moi, je veux des belles tranches de thon. Voilà. Alors, on va vraiment aller cuire comme un steak, vraiment aller saisir pour avoir un beau croûtage. On peut mettre un beau morceau. Et avec ceci, on peut vraiment aller jusqu'à de hautes températures. Ça va moins éclater et ça va moins vite brûler. Donc, c'est super pour ceci. Alors, encore un truc très important, il faut absolument qu'il sorte du frigo pour qu'il soit encore bien froid à l'intérieur parce que le tataki, ça se mange vraiment cru à l'intérieur et bien croûté à l'extérieur. Voilà, on va bien laisser le croûter. On ne touche pas. On dirait un steak au poivre géant. Oh, j'adore ça. Voilà, on rajoute encore un peu de beurre pour avoir une belle croûte. Et on est bon! Alors, pour la salade de concombre, je veux vraiment de toutes fines tranches de concombre. Donc alors, ou bien à la mandoline, ou bien à l'éplucheur de patates. J'ai un tout gros aussi, un tout long. Alors, je le mets au-dessus d'un tamis, parce qu'il y a pas mal de jus, parfois, qui sort. Alors ici, je prépare une salade de concombre. Elle est une fois ziotée sur mon website. Il y a pas mal de recettes déjà, hein, pour des salades fraîches. Voilà, je crois que Shaky Chan, lui, fait ça à la main. Il a qu'à regarder, il y a déjà des millions de... Ouh, des millions de morceaux de concombre, toutes fines. Ah. Ok, est-ce qu'il y a du jus qui est sorti? Non, donc voilà, c'est bon. Un peu de coriandre. Coriandre coupé grossièrement. Trois jeunes oignons, on va tout finement couper. Voilà, on va mélanger et c'est prêt parce qu'on fait une petite sauce maintenant à côté. 2 cuillères de sauce soja. 2 cuillères de l'huile de sésame. Et ici, j'ai de l'huile de sésame toastée. Toujours mieux. Hein. Je gratte une gousse d'ail. Zeste d'une limette. Alors, quand on parle de zeste, c'est toujours une fois gratté et tourné parce que souvent, je vois des gens, ils y vont. Hein. Mais alors, on a le blanc en fait et le blanc, c'est amer. Et le fer, à toute fine couche, c'est ça qu'on veut. C'est le plus aromatique, c'est le plus frais et c'est le meilleur. On met le jus d'une demi-limette. Encore juste le gingembre. Environ 1 cuillère à café. Si vous aimez bien le piquant, vous pouvez mettre un petit chili. Ça va donner une belle couleur et un petit piquant. On va pas dans les yeux maintenant, hein, parce que sinon... On peut appeler les pompiers, ça va faire mal ça. On va dresser, hein. Salade est prête, ma petite sauce est prête. Et le thon, l'huile est prête. Hein. Alors, un couteau qui coupe de la mort. You will thank me later. C'est bon ça, rien que le thon, même sans la sauce. C'est génial. I love it. Alors, un tout petit peu de volume. Le paradis des tataki, c'est ici. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est bon. Tataki, salade de concombre, si vous le voulez. Mais vous le voulez. C'est sur mon website, sophiedumont.be. C'est comme du beurre.